le soutien continu du système d'Al-Hamadin pour les groupes terroristes et ses alliés, l'Iran et la Turquie, a boycotté les pays arabes. Les résultats de ce boycott ont affecté sur son pays par le manque de liquidité, la tourmente économique et l'absence d'investisseurs et d'autres. Les citoyens et les résidents du Qatar ont réorganisé leurs priorités de consommation en raison de la crise de liquidité provoquée par la faiblesse de l'économie locale et le déplacement des investissements existants dans le pays pour rechercher des marchés plus stables. La réorganisation des priorités est apparue clairement dans la hausse de l'inflation. En février dernier, alors que les prix à la consommation ont reculé de 1,55% d'une année sur l'autre. Un rapport récent publié par le ministre de Planification et du Développement et des statistiques de développement a montré que les achats de véhicules par les consommateurs ont diminué de 10,9% en janvier par rapport à l'année précédente. La baisse des ventes des véhicules au Qatar janvier dernier, le quatrième mois consécutif, se reflète le ralentissement des marchés de détail à Doha. Le nombre total de véhicules vendus sur le marché qatarien en janvier dernier, soit environ 5598 véhicules contre 6283 en janvier 2018. Le nombre total de véhicules de transport prévu vendus du cours du mois de janvier, environ de 1111 véhicules comparé à 1541 véhicules pour la période correspondante de l'année précédente 2018. En baisse de 27,9%. Les ventes de locomotives ont diminué de 63,3 en janvier avec des ventes de 69 véhicules contre 188 véhicules pour la période correspondante en 2018. En janvier, le nombre de ventes d'équipements lourds s'est élevé à environ 116 contre 317 pour la même période de l'année dernière, ce qui représente une baisse de 63,4%.